Salut tout le monde, bah, j'espère que vous allez tous très bien après ce 2-2 face au Real. Alors il y a beaucoup, beaucoup, moi je trouve, d'enseignements à tirer dans ce match, comme du bon, comme du mauvais. On va commencer par le mauvais, comme ça on garde le meilleur pour la fin. Le mauvais, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a été mené au score, j'ai trouvé le mental très, très faible. On s'est fait marcher dessus. Un grand, grand, mais un très grand Keylor Navas. Parce que s'il n'est pas là, vraiment, je vous assure que ça fait très très mal pour nous ce soir. Ensuite, on va parler. Je vais avant de parler du reste, pardon, je vais parler du penalty parce que là, c'est une catastrophe. La mafia a encore opéré. Et là, je suis pas du genre d'habitude à me cacher derrière l'arbitrage, etc. Attention, c'est un fait de jeu. On était mené 1-0, tu reviens à un partout à la mi-temps, ça change le match quand même. Même si on est dominé, ça change le match. Ce que je veux dire par là, est-ce qu'il y a faute de Gueye sur Marcelo? Oui. Mais l'arbitre est juste devant. Il dit, lui, l'arbitre, pour lui, il n'y a pas faute. Et moi, ce qui me saoule, en fait, dans tout ça, c'est que ça ne serait pas le Real Madrid, ça aurait été l'inverse, en fait. Ça serait le Real qui aurait eu le penalty. Ils n'auront pas cherché à remonter à la faute initiale. Et ça, en fait, ça me dérange parce qu'à partir du moment où il y a eu le penalty, ils ont cherché. Ils ont cherché pour pouvoir annuler le penalty, comme l'a dit Dimeco. En plus, Dimeco, c'est un ancien Marseillais. Donc voilà, là, faut vraiment se rendre à l'évidence de la chose. C'est incroyable, Barça, Real, tout le temps les clubs espagnols, c'est tout le temps pour eux. C'est incroyable, vraiment c'est. Après sinon, à part le penalty, franchement, il y avait rien à dire, il y avait rien à dire pardon sur le côté arbitre. Mais là c'est abusé, c'est abusé. À chaque fois, c'est tout le temps la même chose. À chaque fois, on trouve des prétextes pour revenir derrière et tout. À chaque fois, c'est sur le PSG. L'innovation, c'est le Paris Saint-Germain. Et ça commence vraiment à me saouler. Et personne ne dit rien en France parce que vous êtes des lopettes. Voilà, l'équipe TV, vous êtes tout le temps là à taper sur le PSG. Mais quand il faut parler sur les arbitres extérieurs, il faut parler sur le Barça et le Real en mal, on se la ferme et on a peur. Donc voilà, vous êtes des lopettes pour moi. Maintenant, côté mental, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que, comme je dis, on était mené 1-0 et j'ai trouvé que notre mental, on se faisait marcher dessus. Mais à contrario, quand on s'est pris le deuxième but, bah, on a vu un Paris Saint-Germain orgueilleux qui a réagi tout de suite. Et qui voilà, a réduit le score. Et puis d'un seul coup, ben, derrière, on égalise, quoi. Je me suis même mis à penser, pardon, qu'on allait gagner ce match. Vous voyez? Un bravo à Tourelle pour quelque chose. Déjà, la première chose, c'est de ne pas avoir mis Neymar sur le terrain directement. Tous ceux qui voulaient voir Neymar ne comprennent pas la situation. Neymar est en méforme. Il a beau avoir un talent extraordinaire. Même aujourd'hui, quand il est rentré, vous avez vu qu'il est en méforme. Il n'a pas encore toutes ses capacités. Il ne peut pas commencer un match, même face au Real. Et de toute façon, pour moi, ça reste un match important, même si on est déjà qualifié. Mais Neymar ne pouvait pas commencer ce match. Il vaut mieux pas qu'il se pète maintenant et qu'on le garde pour les huitièmes de finale. Ok, c'est un match important parce que c'est le Real. Mais on est déjà qualifié, les mecs. Aujourd'hui, on a assuré la première place. Bravo Paris Saint-Germain. Mais il va falloir vraiment progresser, progresser, parce que ça ne va pas du tout. Moi, je trouve que dans le contenu, ça ne va pas du tout. On n'ira pas loin comme ça. Si on ne change rien, on ne va pas loin. C'est clair et net. On s'est fait trop balader. Il y en a un par-dessus tout. Alors peut-être que je le vise à lui alors que j'aurais pu viser beaucoup d'autres gens. Mais Meunier, j'en peux plus. Vraiment, je vous assure que Meunier, il a été dépassé défensivement. Hazard, tout le temps, il trouvait la profondeur. Meunier ne savait pas se placer. Aucun bon centre. D'ailleurs, le centre qu'il fait sur le premier but d'Mbappé, à la base, il doit la donner un peu en retrait à Neymar. Et Meunier se gourre complètement. Et c'est parce qu'il se gourre qu'on marque, d'ailleurs. Donc, des fois, comme quoi qu'il faut mieux faire tes erreurs. Mais Meunier, j'en pouvais plus. Vraiment, j'en pouvais plus. Verratti, je l'ai pu trouver un peu en dessous. Et Kimpembe, aujourd'hui. Le Kimpembe que je connais au niveau qui met de l'impact, etc., bah, je ne l'ai pas retrouvé. J'ai quelqu'un à féliciter du côté du Real Madrid, c'est Karim Benzema. Parce que franchement, Karim Benzema, quel inté. Certains ne l'aiment pas, mais moi je vous le dis, je vous le dis, mille fois. Quelle intelligence de jeu ce mec. Le mec, c'est même pas un numéro 9, c'est un 9,5, c'est un numéro 10, il sait tout faire. Il sait tout faire. Il marque deux buts aujourd'hui. Il pouvait marquer encore un troisième si Navas, s'il n'arrête pas sur la ligne. Il a été extraordinaire. C'est pas étonnant que Ronaldo kiffe jouer avec Benzema. Parce que Benzema, il sait faire jouer les autres. Et on n'a pas un profil comme ça au Paris Saint-Germain. Et c'est bien dommage. Donc encore bravo à Karim Benzema. Il prouve encore une fois qu'aujourd'hui, il a beau largement sa place en équipe de France. Mais c'est pas à cause d'Olivier Giroud, c'est à cause de Didier Deschamps, pardon. Giroud, il n'a rien à voir dans l'histoire. Il est sélectionné, ben, il y va. Il va pas dire, oh non, je mérite pas, j'y vais pas.
Faut le comprendre, Giroud, faut pas s'en prendre à lui, faut s'en prendre au sélectionneur à la rigueur. Mais après, il y a eu des histoires qu'il faut aussi comprendre des champs. Bon, c'est comme ça, c'est pas le débat. Mais ce match, moi, dites-moi en commentaire, hein, parce que franchement, j'ai aimé ce match dans l'intensité, mais je trouve qu'il y avait beaucoup plus d'impact physique du Real. Il faisait grave un pressing haut. J'en perds un peu mes mots, mais je trouve qu'on a été vraiment en dessous du Real Madrid. Moi, j'ai senti le Real Madrid très, très supérieur au Paris Saint-Germain, alors que c'est loin d'être le Real Madrid qu'on a connu il y a 2-3 ans, quand même. Et c'est ça qui m'inquiète. Moi, tant pis, hein, tout le monde va me dire, ouais, tu te plains et tout, on a 4 victoires, un match nul, aucune défaite et tout ça, on a fait match nul au Real. Peut-être les mecs. Mais moi, vu le contenu, tu joues à Liverpool. En jouant comme ça, tu te fais exploser. Tu te fais exploser parce que Navas, ça peut être un super gardien. Il sera pas en état de grâce tout le temps comme il l'a fait ce soir, hein, les mecs. Hein. Faut pas tout espérer à chaque fois. Hein. Navas, mais il a fait un match exceptionnel ce soir. C'est incroyable. On voit la différence. On voit vraiment la différence. Mais ça aurait pu se terminer en déculotté pour nous quand même, les mecs. Parce qu'on n'a pas eu maintes et maintes occasions quand même. Hein. Donc voilà. J'espère que vous avez quand même kiffé ce match. On a quand même la première place. Donc bravo encore au Paris Saint-Germain. Mais un bravo aussi à Tourelle. Donc j'avais dit par rapport à Neymar. Et le coaching de faire entrer Draxler et Sarabia. Ils sont bien rentrés dans le match tous les deux. Donc bravo pour ce coaching, ça a fonctionné parce qu'en plus Sarabia te met un but en pleine lucarne, mais imparable. Il peut pas mieux la placer Sarabia. Bravo à lui parce que moi j'attendais l'entrée de Cavani, je me suis même à penser à rêver de me dire bah c'est Cavani, ça se trouve qui va nous égaliser ou qui va nous faire gagner le match. Finalement il l'a pas fait. Di Maria mauvais match, hein. Je tiens à le préciser aussi quand même. Et Mbappé qui oublie deux fois ses partenaires devant, c'est bien dommage. Ça c'est vraiment dommage. Mais sinon, voilà, hein, je vais pas faire le mec qui est déçu, mais je suis très méfiant pour la suite. Voilà, je suis très méfiant. Tout ce qui se passe dans le groupe, ça n'a rien à voir avec la suite de toute façon. À chaque fois, tout ce qu'il faut voir, les gens, c'est pas le résultat pour le moment en poule, c'est le contenu. Et pour le moment, pour moi, je vais me répéter à la fin de la vidéo là, le contenu, il n'est pas bon. Il n'est pas bon pour le moment. Si on fait comme ça, je le redis, on n'ira pas loin. C'était Seth Lutititi, portez-vous bien. Ciao, ciao. We'll be right back.